Choose your character! Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 11-1-1 sur Dishonored 2. Alors la dernière fois, on avait réussi à sauver Anton Sokolov, on l'a mis dans la petite voiturette, nous étions bien sagement en train de faire dodo dans la petite voiturette, tel un bambin, juste après une longue route pour aller à Disneyland. Et nous, on a pas fini parce que maintenant on retourne dans le manoir mécanique pour s'occuper maintenant de Jindosh. Et pour s'en occuper, on va le mettre sur une petite chaise électrique. Faut trouver la machine électrochoc, lui mettre une petite patate dans sa gueule, le mettre dans la chaise électrochoc pour lui retirer toute son intelligence qu'il n'avait déjà pas parce que c'est un connard. Si c'est retourné contre la petite Emily, c'est que c'est un gros connard et qu'il est pas très intelligent. La dernière fois, nous avons aussi désingué, dessoudé trois soldats mécaniques, ce qui est plutôt stylé, faut l'avouer. Alors, c'est parti pour aller s'occuper de Kerin Jindosh, parce que ce connard là, il va pas s'en tirer comme ça. Il a osé aider le Duc Abel et retirer Emily du trône, la grande impératrice Emily la Sage. Et on va lui faire payer pour cela. Mais on va pas le tuer parce que c'est trop facile de le tuer. Ce serait trop facile de le tuer. Il partirait. Et voilà, je suis mort. Mais si je le fais bien souffrir sa mère. Ah, il va bien comprendre de ses erreurs. Attendez, s'il y a quoi là? Vers le transport. Oui, là, c'est là où il y a Anton Sokolov. Excusez-moi, je vais baisser cette petite manette. Les murs et les sols comme si vous aviez toujours vécu ici. Très fort. À moins que ce ne soit qu'un caprice du hasard. Tu te répètes, Jindosh, tu te répètes. Tu te répètes encore. Sacré auteur. Tu te répètes aussi, Corvo. C'est parti, on va se venger. Ah, j'avais déjà ouvert ça. Attends, j'ai pas récupéré les trucs. Mais attends, je suis déjà venu, j'avais. Bon, là, j'ai sauvegardé. Je suis pas venu en sauvegardant ici. Oh là là, ok, d'accord. Bon, moi, je m'en rappelais qu'il y avait des sous-sous. Il y a des pièces. Alors, du coup, là. J'ai ça à ouvrir. Ah, du coup, faut que je refouille cette pièce. Rares sont ceux qui ont pénétré ici. Vous êtes au cœur d'une machine merveilleuse. Ah bon? Ah bah tiens, on prend ça en passant. Hein. Hop là, une petite rune. Ah bah, je crois que je l'avais déjà fait. J'ai dû lancer un rechargement entre temps. Et du coup, oh, il y a des. Oh, la masse de mines paralysantes. C'est très bien parce que les mines paralysantes, ça m'aide bien. Pour qui s'est amusé à faire ça? J'ai fait du bruit, il a eu peur. Alors, hein, le Kerin Jindosh, on a les foies, on a peur. On a peur de ce qui va arriver. On sent le Corvo Atano, l'ombre errante, l'assassin invisible arriver dans son dos. Bon, déjà, on va appeler l'ascenseur parce que moi je suis un peu fainéant. Et on va tout de suite aller mettre une grosse patate dans sa gueule. Ah, Kerin Jindosh, par contre, dépêche-toi, t'es lent. Ça, allez, je déteste les ascenseurs, c'est trop long. Hop là, alors déjà, on va monter là-haut. Voilà, plus près. Je vous attends. Ouais, moi je t'attends aussi, j'arrive. Oh, regardez. Hop là. Ce message indique que la. Alors attendez, je vais juste faire un petit sauvegarde rapide, le sauvegarde de la lâcheté. Oh bah mais c'est magnifique ça. Ce message indique une fausse alerte. Oh merde. Ah, j'avais l'occasion, j'ai loupé. Attendez. Pop. On va utiliser les mines là parce que vous allez voir. C'est très vous utile. Vous m'avez trouvé, protecteur royal. Enfin. Kerin Jindosh. Et voilà. Appui détruit. Ah, et j'ai mis KO aussi, Jindosh en même temps. Ah bah c'est magnifique quoi, un rat. Voilà. Oh putain, alors il m'a vu. Alors par contre, ça s'est passé tellement vite. Vous avez peut-être compris ce qui s'est passé, vous. Mais moi j'ai pas eu trop le temps. Il m'a vu en fait. Il a juste vu en fait j'ai fait ça, j'ai mis la mine. Et il m'a vu, il était en face de moi. Il y en avait même deux. Il y avait même deux. Deux soldats mécaniques, oui il y en avait deux, je m'en rappelais. Mais je crois qu'il était à l'autre bout, l'autre. Mais j'étais super trop efficace pendant ce épisode. Ah, excusez-moi, je suis sidéré.
J'étais trop efficace, mon gars. Bon, attends, on va prendre des infos quand même sur lui. Kirin Jindosh. Putain, j'étais trop efficace. Inventeur en chef de Sarkonos. Il rêve d'une armée de soldats mécaniques en marche. Comment j'ai plié l'affaire? Vous avez cru que j'allais à... Oh, mais j'aurais même voulu lui mettre une petite patate. Bon, après, un petit coup électrochoc, hein... Vous allez me dire, ce sont tout aussi efficaces qu'une petite patate, mais bon. Ah, surtout bien la machine à écrire, qui, je ne sais pas comment ça marche, je me demanderai toujours. Hop, alors il y a un message. Détention de Tsukolov, je commence à en avoir assez de heurter, je vous lance, c'est bon, on a compris, on l'a sauvé. Note à Kirin Jindosh. Ah, Kirin, j'espère de tout cœur que les étoiles pâles accorderont leur bénédiction à vos efforts pour gagner les bonnes grâces de Sokolov. Mais si ce vieux fossile refuse de se plier à votre volonté, je peux vous offrir une solution qui sera sans doute plus efficace que de le garder indéfiniment enfermé dans votre salle de démonstration en le soumettant à cette cruelle électrothérapie. J'ai commencé une nouvelle vigie à l'image de Sokolov. Dans quelques temps, je pense qu'elle pourra me permettre d'exercer une certaine influence sur votre illustre invité, Brianna. Alors Brianna, une autre des disciples, enfin une autre des conspiratrices, qu'on va aussi mettre une grosse patate dans sa gueule. Et on a un beau portrait de Sokolov qu'on avait déjà eu dans Dishonored 1, me semble-t-il. T'as le mec, il a quand même... Il aime pas trop Sokolov. Il admire Sokolov, mais en même temps, il veut voler son savoir. Et il met un tableau de lui derrière lui. Oui. Un peu bizarre quand même cet homme. Hop, un petit toutou de câblage. Allez, vas-y, c'est fait. Et bah écoutez, franchement, je suis un peu perdu parce que j'ai tellement été efficace. Je pensais vraiment que moi, en fait, moi je connaissais comme la chanson. Moi je savais comment ça allait se passer. Je me rappelais comment je l'avais mis la patate la première fois à Kirin Jindosh. On n'oublie jamais ses premières patates. Hein. Ses premières fois, la grosse patate. Et moi je savais qu'il y avait deux soldats mécaniques. Il y en a toujours qui font le tour là. Et Jindosh, d'habitude, il est derrière son bureau. Et là, en fait, il est arrivé ici. Je suis arrivé au pile poil, mais au timing. Mais tellement bien géré. Que j'ai pas fait exprès. Bon, après il m'a vu, vous allez me dire, ouais, mais Stock, t'as pas été très discret, il t'a vu. Bon, il va dire qu'il a vu mon ombre, hein. Excusez-moi. Mais... Il a pas vu grand chose, somme toute. Hein. Il a vu mon ombre, il a vu une électricité arriver dans sa gueule, et puis c'est tout. Voilà, je vous laisse faire lire ça en faisant pause. Oh, totalement. Oh putain, mais putain. Alors là, franchement, si ça mérite pas un petit pouce bleu quand même, hein. Petit pouce bleu quand même, ça, non? Hein? Franchement. Je demande pas par pitié, mais mais quand même, là, ça m'a été un petit pouce bleu. J'ai trop bien géré, quoi. Putain, je me auto-hallucine. Oh, bah, attendez, mais on va descendre. Au mieux de prendre l'ascenseur, hop, là. On va aller là. Et on va aller à la machine. Oui, il y a rien là-dedans, je suis déçu. Ah! Alors, attends, déjà, on va la mettre dans... dans la chaîne. Peut-être la machine à électrochoc dont parlait Jindosh. Ah oui, j'y pense. Ah, je crois qu'elle ressemble un petit peu. Ah, peut-être. Elle ressemble légèrement à une machine électrochoc qu'il y avait dans Dishonored 1 quand on avait été au Golden Gate. En Golden Cat, pardon. Et on avait électrifié. Moi, je vais dire électrifié, ça va être mon mot. Électrifié un mec pour obtenir des informations d'une combinaison d'un coffre. Voilà. Je vous invite à regarder le Let's Play Dishonored 1 si vous ne l'avez pas vu. Où on électrocute un mec qui adore se faire électrocuter. C'était un sadomaso de l'électrocution. Oui, mais vous voyez, bah oui, on va le mettre le Jindosh à la machine, évidemment, quoi, on va le mettre, allez, on va faire un gros dodo. Voilà. Tête de con. Bon, c'est parti. Alors, déjà, on va lire son autographe. Anton Sokolov, ancien médecin royal et président de l'Académie de philosophie naturelle. Au sommet de votre gloire, vous étiez le peintre le plus adulé de tout l'Empire. Le héros de mon enfance. Appareil grossier contre moi. Et bon, Jindosh. Eh bien, allez-y, qu'on en finisse. Même si j'ignore ce que vous espérez obtenir, vas admettre que ce dispositif a piqué ma curiosité professionnelle. Patience, mon ami, patience. La séquence est primordiale. Vous comprendrez le fonctionnement de ma machine à électrochoc. Mais quand? Avant ou après que la lueur se soit éteinte dans vos yeux? D'ailleurs, où va-t-elle après avoir disparu? Qui peut me le dire? A-t-on jamais vu quelqu'un se délecter autant du son de sa propre voix dans ce monde, Kirin? Est-ce que votre appareil peut le dire?
ça? Non, malheureusement, il ne le peut pas. Mais ce qu'il peut faire, c'est vous prendre ce qui vous est le plus cher, votre précieux intellect. Si vous refusez de collaborer au nouveau prototype d'automate, j'utiliserai mon appareil sur votre joli cerveau, Sokolov. Je refuse. Et tant pis si je suis réduit à l'état de légume. Au moins, je n'aurai plus à supporter l'étalage de vos théories insensées. Allez, blanc, ta gueule, voilà Kirin, allez, hâte. Alors, je viens de comprendre un truc, je vais vous l'expliquer juste après en regardant ce tableau. Ça fait deux, trois fois, la troisième fois que là, je fais le jeu, je viens de me comprendre. Son invention, l'appareil argent graphique. Elle fait réagir le mercure et la lumière sur une plaque pour faire apparaître une image. Elle suscite tantôt l'admiration, tantôt l'effroi. Ce qui est dommage, hein, parce que t'étais un peu intelligent, on va dire. C'est vraiment dommage que t'étais... Ah, mais j'avais pas remarqué, il avait eu perdu quelques doigts, là. Il s'est fait en des doigts en son esprit est un creuset d'innovation, d'invention et de progrès. Ah oui, mais... Il est brillant. Peut-être même plus que Sokolov. Ouais, il est con aussi, hein. Il est brillant, mais il est con. Il est brillamment con. Est-ce qu'il s'est retourné contre la petite Émilie? La Émilie la sage, alors c'est un gros con, excusez-moi, mais là c'est plus l'intelligence, c'est la divinité quoi. Pense bête, l'alimentation de la machine à électrochoc n'est pas suffisante. En attendant que le problème soit rectifié, je vais devoir compenser en configurant les autres plateformes du laboratoire de manière à réduire leur consommation au maximum afin de libérer du courant pour la machine. Les autres machines du labo consomment trop d'électricité. Alors je viens de comprendre qu'en fait il y avait la solution sur le tableau et moi je faisais toujours au pif. Parce qu'en fait, vous voyez, B1, ça va être anatomy, ça va être 1. Non, B1, alors attends, B1. B. Ou alors peut-être que j'ai pas du tout compris. Si, ça va être ça. Oui, c'est ça, anatomie et tout ça. Et en fait, il y avait écrit anatomie là, et ils disent le nombre qu'il faut mettre. Et moi, je faisais toujours au pif et j'ai réussi toujours comme ça au pif. Voilà, je vous explique. Alors, attendez. Normalement, alors, est-ce que c'est dans l'ordre? Ah, c'est pas dans l'ordre. Anatomie... Optique, ok, alors déjà anatomie et optique c'est 3, alors 1 et 3, anatomie c'est 1. Alors attendez, parce que alors, par contre ça dure des plombes. Ah oh, ça je m'en rappelle, c'est chiant. Bon ça fait bouger les trucs parce qu'il faut remettre bien, je vous explique le courant. Parce que les plateformes c'est l'électricité, il faut les rebouger pour que ça aille. Pour que le courant passe bien dans la machine, voilà, oh, c'est un bordel pas possible, c'est les trucs... C'est les trucs scientifiques, c'est les trucs un peu à la con. Bon, par contre, ça met des plombes. Je pense que je vais accélérer ce passage, hein, parce que c'est vraiment très long et très très chiant. Ah, bah, il y a un petit mot là. Ah, il y a un mot, une lettre de Lila. Bon, je vais pas la lire parce que c'est Lila. Alors, voilà. Alors, du coup, allez. Ah, déjà. Bon, alors, ça c'est un. L'optique, on avait dit que c'était 3. One eternity later. La machine à électrochoc devrait fonctionner maintenant. Ah! Ça y est? D'accord, alors. Alors, j'ai mis des plombes, j'ai rien compris au début. Parce qu'au début, je croyais qu'il fallait les mettre. Alors, je vous ai dit, je croyais qu'il fallait les mettre dans l'ordre. Il fallait faire 1. Après 2, mais 3, mais non. Après je me suis dit, bah en fait il faut faire un taux de coup. Je me suis dit, si je fais 5 plus 6 là, avec 5 là, et parce qu'en fait il y avait un autre bouton là, et là ça fait 6, c'était... Mais non, en fait il faut que ce soit le moins possible de consommer 1 là et 3 là, pour qu'il y ait moins de consommation pour les autres plateformes, pour que celle-là soit alimentée. Et je vous jure que la première fois que j'ai fait ça, mais je l'ai fait totalement au pif, j'avais rien compris, j'ai fait totalement au pif et j'avais réussi. J'aurais dû essayer de le refaire au pif en fait. Je me suis compliqué la vie et tout le monde l'avait dû comprendre sauf moi comme un con. Et j'avais vu que là il y avait un papier que j'ai pas pris. Voilà, oh putain, c'est fou ça. Oh, la débit, je suis vraiment un gros... Alors soit je fais des trucs super bien comme au début, soit je suis con comme un gland. Et c'est parti, allez, on va le mettre au courant qu'il fallait pas se retourner contre Émilie la sage. La petite Émilie, la grande Émilie. Oh non, non, non. Ah si, 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 j'ai tout prévu. Ce que vous faites. Je suis prêt à vous donner tout ce que vous voulez. Ah, tu peux rien me donner, hein. Même du pognon, ça marchera pas. Imaginez tout ce qui sera perdu. C'est pour te dire. Des siècles de progrès. Non, non.
Non. On ne peut pas laisser quelqu'un comme toi en liberté. Eh voilà. Alors, comment ça va? Ça fait du bien? Ah, ça... Et si je fais couler de l'acide sur une plaque en cuivre, qu'est-ce que ça donne? Ouais, bah écoute... Tu m'as l'air plus intelligent comme ça, hein. Je le savais. Ses souvenirs lui échappent chaque fois qu'il essaie de les toucher du doigt. Quelqu'un connaît la réponse? Tout est fuyant, confus. Ah ouais, ouais. Je confirme, le Samy. Mais... Je l'ai perdu. Oh, bon, on dirait moi ça. C'est tout à fait moi ça. Quand j'ai une idée, j'ai perdu. Eh ben voilà. Eh ben enfin, on va pouvoir déjà réactiver. Voilà cette plateforme des plus dangereuses. C'est le cas de le dire. Et on n'avait pas été ici de ce côté-là. Je sais plus où ça amène ici. Ah, ça amène ici. Mais ça mène. Ah, bah attends, il y a un truc là. Hop. Comment on faisait pour y aller ici? Je sais plus. Ok, d'accord, ok. Oh, bah en tout cas, moi je lui vole son pognon en même temps. Bon, voilà, il est débile de toute façon. Maintenant, il s'en servira plus. Il sait même plus compter jusqu'à deux. Alors, pour savoir combien il lui manquera de pognon. De nombreux événements ont mis l'histoire en marche de manière subtile. Ah, c'est là que j'ai endormi les gardes de l'autre côté, là, quoi. Bah, j'aurais dû passer par là, en fait. Ok. J'aurais pu passer par là. Bon, là, on l'a déjà entendu la dernière fois, je crois. Alors, c'est parti. Alors, attendez. Quelque chose de précieux. Vous pouvez m'aider à le retrouver? Ton cerveau, mais il était pas si précieux que ça, je te rassure. Alors attendez, parce que moi je sais qu'il y a un charme douce en bas. Et je voudrais bien descendre en bas. Bon attendez, ça ira plus vite si je fais ça. Je vais aller de ce côté là. Je vais passer par là parce que je sais où est le charme douce, hein. Je le récupère vite fait, d'habitude je fais ça en off. Mais je vous avouerai que je l'ai oublié. J'ai oublié qu'il me reste un charme douce à avoir. Du coup, tac tac, on va par là. Non, c'est pas... Attendez, je suis perdu. Ça y est, je suis déjà perdu. Ça y est. Snake 5030, il s'est perdu encore. Et voilà. Mais c'est pas possible d'être aussi con. Voilà. Bon. Ouh, et ben j'ai refait un petit peu tout le tour du château. Enfin, du château. Du manoir que j'aurais dû faire en off comme un con, mais j'ai oublié. Voilà. Et ben voilà, il y avait un portail foudroyant qui était juste ici. Et on s'en bat un peu les reins. On peut s'en aller de toute façon, de toute manière. Oh mais attendez, il y a un truc là. Voilà, ça c'est pour moi. Voilà. Oh, il y a un rat. Voilà, ça c'est fait. Une petite pièce ici. Voilà, là c'est là où il détenait Sokolov dans le labyrinthe. Et une petite bourse, voilà. Voilà, maintenant on va retourner gentiment et gaiement à la petite voiture et retrouver Sokolov. Parce que maintenant il faut s'en aller. A few moments later. C'est parti, allons retrouver Sokolov dans la petite voiture qui nous attend en faisant un gros dodo. Et c'est parti, on s'en va, on va faire les montagnes russes. C'est parti, allez à l'autre. À la basse ou à la haute? Non, faut aller directement à la basse, c'est ça, hein. Je suis autour de montagne prusse. Des montagnes prusses. Oh, regardez-moi ce beau paysage. Avec le petit Anton Sokolov qui fait un gros dodo. Oh, attention, ça descend. Oui. Allez, tout le monde lève les bras chez lui. Oui. Bon, ça va moins vite qu'un montagneur, ça c'est certes, mais bon, hein, on fait avec ce qu'on peut. Attention, oula, petite bosse, oula, attention, ça accélère. Mesdames et messieurs, bienvenue, vous faites foire dans la montagne prusse, la montagne la plus rapide de tous les temps. Voilà, merci, terminus, tout le monde descend, les papis aussi, allez, on descend, papis. Hop là. Est-ce que je peux... Oui, c'est bon. Et bah, c'est parti, on y va. Et bah, c'est parti. De toute façon, j'ai plus rien à faire. J'ai tout récupéré. What? Ah. Oula, attendez, il y a des ennemis. C'est pas normal ça. Alors, attends, mon petit Anton Sokolov. Ah, mais ils ont disparu. Et... J'espère que vous avez dit au revoir à vos enfants en partant. Oh, oh d'accord. Il y a des gens. Alors, attendez. Vrai que. Ah, attendez, je vais retourner. Je vais prendre de la hauteur sur la situation.
ça va être beaucoup plus efficace. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? J'avais oublié qu'il y avait des ennemis qui venaient ici après. Ah! Mais non, mais je les avais tous endormis dans un coin! Ah bon, non? Voyons. 6? Ok, des sorcières, super. Et c'est pas des sorcières bien aimées. Seuls les vieux comprendront cette référence. Putain, je peux pas. Ah! Et j'ai aucun endroit où. Alors attendez, il va falloir jouer fine cette fois-ci. Il va falloir jouer fine au Disney. Et je prends ma terre là. Hop là, doucement mais discrètement. Ok, il y en a 3. Ce que je vois, il y en a 3. Il y en a une qui est là-haut. On ne vous a jamais dit que vous étiez une plaie pour cette ville. À qui vous parlez, mademoiselle? Déjà vous, un gros câlin. Voilà, hop, elle fait du dos. Et on va la mettre. On va la remettre. On va la mettre là, tiens. Allez hop. Vous allez très très bien ici. Voilà. Bon alors voilà. Une sorcière. Comme vous pouvez voir, elles sont très difficiles à avoir. Hein. Oh là là. Bon je rigole, mais en vrai, elles sont au niveau. Un soldat, on va dire que c'est niveau 1. Les sorcières c'est niveau 1,5. Parce qu'elles peuvent se téléporter. Alors attendez, parce qu'il va falloir s'occuper d'elle. Alors voyons voir comment je vais m'y prendre. Déjà, je suis bloqué sur un truc. Vivement le mois des filets. Frais, c'est toujours mieux que ça. Hop, une endormie. Et une KO aussi. Voilà. Vite fait. Bien fait, voilà. Voilà, bon ça c'était les sorcières. Voilà, très difficile comme vous pouvez le voir à appréhender. En fait, je pense qu'elles sont plus difficiles en mode quand tu veux le faire en mode bourrin, parce que je pense que quand tu lances des carreaux qui tuent, ça, elles peuvent se téléporter ou esquiver, je crois, mais je suis pas sûr. Maria, rends-toi à Karnaca dès ce soir avec Iver et Kay. Les autres là-bas offriront à toi et vous aideront à rester hors de vous de vue. Méfiez-vous de notre caravane de Dunwald quand le moment viendra frapper. Si vous réussissez, je promets que vous serez récompensé. Je peindrai même votre portrait. Ton impératrice a jamais des lilas. Ouais, c'est Lilia qui les envoie. Puis, en même temps, une sorcière envoie d'autres sorcières. C'est normal. Vous allez me dire, c'est logique. En tout cas, là, tout le monde fait dodo. Tout le monde est content. Tout le monde est beau. Il fait dodo. Bon, ils ont tué tout le monde. Hein. Ah, oui. Ils ont pas fait de distinction. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà. En tout cas, vous aurez découvert les sorcières qui. Pourquoi? Franchement, je vais être sincère, je pense qu'on aurait pu s'en passer de ces ennemis là. Parce que je pense que les ennemis, vous savez, avec les max de psychopathes, étaient plus. Dans Dishonored 1, les sbires de Dode étaient beaucoup plus menaçants que les sorcières, je trouve. Les sorcières, le seul truc chiant, c'est qu'elles peuvent se TP, mais ça dépend des sorcières apparemment. J'ai pas encore compris comment les différencier. Qui peuvent esquiver vos carreaux d'arbalète. Et c'est tout, en gros. C'est tout. Voilà, j'ai ton copain, voilà, j'ai ton petit ami. J'ai ton Sokolov, enfin ton grand-père slash petit ami, parce que vu la relation que vous avez tous les deux. Comment va-t-il? Blessé et fragile, mais il vivra. Je ne pensais pas ça possible. Un petit bisou sur son petit vous aurez une sacrée histoire à me raconter quand nous serons sur le bateau. Alors j'ai mis Jindosh et deux soldats mécaniques KO avec seulement une mine. On n'a plus rien. J'ai des choses à te raconter. Oh putain, il y a Corvus, on lui a coupé la parole. Le jeu l'a dit, il en a mort aussi qu'il parle, il lui a coupé la parole. Alors, corps détecté 4, bon, moi c'est pas grave. Oh j'ai encore loupé du panier. Bon j'ai tout ramassé à peu près. Ah il manquait un tableau que j'ai pas ramassé. Bon c'est pas grave, on s'en va aller. Enfin si ça fait un peu de pognon, mais bon c'est pas grave. Bon voilà, on a sauvé Anton Sokolov. Et on a mis une patate à Jindosh. Et on l'a électrocufié. Oui électrocufié, c'est dans son dictionnaire. On l'a électrocufié pour qu'il devienne débile ou plus intelligent. Parce qu'avant je trouvais pas plus intelligent que ça. Voilà, vous avez compris, j'allais dire là. Et les sorcières, nous avons aussi découvert les sorcières qui sont des ennemis des plus horribles à affronter. Ah mais il y a une nouveauté, on a bu mon nouveauté. Est-ce qu'il y a une nouveauté là-dedans? Je regarde jamais. Je trouve qu'il y avait des nouveautés mais on s'en va les actes. Du coup c'est parfait. On a sauvé Anton. Oh c'est parti. C'est encore le grand vide, mais plus tout à fait le même. Bah ok, bah écoutez, je sais pas du tout à combien de minutes que je suis, parce que je vous avouerai que j'ai pris du temps
pour réussir l'énigme là avec le putain de siège électrochoc. Et j'ai eu du temps à farfouiller dans le manoir. Bon, on va continuer un peu parce que je pense sinon ça va être trop court. C'est parti! Tu ne t'attendais pas à ce que je t'attire ici. Ah, la saloperie, viens la con! Le m'a donné sa marque il y a bien longtemps. Ouais. Je t'ai chassé de ta précieuse tour et je me suis débarrassé d'Emily. Mon pauvre ami. Vous la patate, vous une patate. Quand j'étais jeune, ma sœur Jessamine et moi étions très proches. Un secret nous réunissait. L'empereur Kalduin avait une seconde fille née dans la honte d'une simple fille de cuisine. À quoi est-ce qu'elle joue? Bah, déjà, comment a-t-elle fait ça? Bah, quand vous, t'as les pouvoirs de l'Alexander. Oh, allô, elle vient de dire qu'elle a la marque de l'Alexander. Oh, bon, après, j'avoue, elle est cheatée parce que nous, on peut pas aller dans l'Empire du... On peut pas aller dans le grand vide. À part quand l'Alexander nous l'appelle, elle, elle peut y aller tranquillement, apparemment, elle se promène. Hein. Il y a un level qu'on n'a pas franchi. Je te l'ai déjà dit, monsieur. Quand tu seras plus grand, l'année prochaine, peut-être. Tu m'as déjà dit ça l'année dernière. Jessamine est ma cadette. Et elle sera à la cour tous les jours. Jessamine, c'est... C'est compliqué. Un jour, tu comprendras. Qu'est-ce que j'ai fait mal? Je promets de bien tenir. L'année prochaine. Promis. Elle nous raconte sa vie, mais ça ne changera pas que t'as transformé la petite Emily en tu l'as statufiée, hein. Ça, je te le pardonnerai jamais, saloperie, hein. Connasse. Mais viens là, je t'affronte, mais une patate, Corvo. Mais elle a paf, une patate. Jessamine et moi, nous nous amusions dans la tour. Mais la nuit, je devais retourner dans les quartiers des domestiques, manger du cru au milieu des cafards. C'est bizarre, parce que Jessamine n'a jamais parlé de tour. Dans disant rien, on n'en a jamais entendu parler de tour. L'empereur, mon cher papa, me promettait lorsqu'il passait me voir que je serais bientôt assez grande pour devenir une princesse à sa cour. Mais un jour, la jolie Jessamine a cassé un objet de grande valeur et le maître espion s'en est mêlé. Elle m'a accusé à tort et j'ai été fouettée jusqu'au sang dans l'abri de jardin. Ah oui, quand même, fouettée, carrément. Ma mère a été renvoyée. Cette nuit-là, nous étions à la rue, sans aucun endroit où aller. C'est pas moi qui l'ai. Alors dis-moi qui. On s'amusait, c'est tout. Mademoiselle Jessamine, quelle est votre passion de fée? C'est Delia, elle ment. C'est elle qui l'a cassé. Bon, là, vous allez me dire, ouais, mais regarde, je sais que Jessamine, elle a pas été sympa. Alors, je rappelle qu'elles étaient gamines, quoi, sur le portrait, quoi, elles avaient quoi, 8 ans, hein. À 8 ans, on en fait des conneries, et en grandissant, on peut rectifier, ça change pas que, bon, certes, Jessamine, à 8 ans, voilà, elle a fait une petite connerie. Mais en grandissant, elle est devenue une putain d'impératrice et tout ça, et qu'elle a sûrement, elle s'en est sûrement voulu toute sa vie de cette petite connerie là qu'elle a fait étant enfant. Mais quand on est enfant, on en fait des conneries, putain. Quand j'étais petit, j'en ai fait des conneries, j'en ai cassé des choses et tout. Y'a Delilah, il faut savoir. Savoir pardonner à un moment. J'ai découvert les bas-fonds de Dunwall. Endettés, nous avons fini en prison. Jessamine est morte assassinée alors que ma mère a agonisé plusieurs semaines après qu'un garde ventripotent lui ait brisé la mâchoire. Ils m'ont jeté à la rue lorsqu'elle est morte. Face au feu de Dunwall Tower, j'ai juré que je me vengerais. Je suis devenue lavandière dans une maison close et j'ai commencé à peindre. Anton Sokolov m'a remarquée et prise comme étudiante, comme on dit poliment. J'étais déjà débrouillarde avant que l'Outsider ne me donne sa marque. Et j'ai survécu aux pires situations. Maintenant, à ton tour. T'as jamais essayé d'aller au palais? Elle est malade. Elle a besoin de soins. Ta mère est partie pendant qu'il mendiait. C'est plus qu'un tas d'os maintenant. Quoi? Non! Elle a purgé sa peine. Elle sera jetée dehors avec les autres. Toi, tu restes pas ici. Quelle est la part de vérité et d'imagination perverse dans tout ceci? Perso, j'y crois pas du tout. Vous allez dire, mais Slay, t'es pas du tout objectif parce que t'es mis Jessamine et tout. Oui, mais dans Dishonored 1, on a vu que Jessamine était une bonne impératrice, qu'elle essayait de faire le mieux possible pour son peuple et tout ça, de trouver un truc contre la peste. C'est pour ça que dans Dishonored 1, elle a envoyé Corvo un peu partout pour remettre contre la peste, qu'il n'a pas trouvé malheureusement.
Et en plus, elle était un petit peu. Et derrière elle, il y avait il y avait Campbell, le grand superviseur et tout, qui profitait de leur notoriété et tout ça, et de leur rang pour faire des filatures dans le dos de l'impératrice, qui mais pouvait pas le savoir. J'ai envie de dire, j'ai pas trop envie de croire que Samine n'a jamais. La conspiration des loyalistes m'a demandé de kidnapper Anton Sokolov. Oui, on s'en rappelle. Et j'ai obtempéré. Oh, je l'ai traîné jusqu'au pub où on se cachait. Et je l'ai enfermé dans une cage, comme un chien. Sa réaction ? Il nous a ri au nez. Oui, il a pété un peu quand même. Il nous a raconté des histoires grivoises. Il a appris plus de choses à Émilie que sa gouvernante ne lui en avait enseigné en 6 mois. On aurait cru qu'il était immortel. Son esprit a façonné notre époque, mais ça a changé. Le vieillard que j'ai secouru est avare de mots. Il mange ce qu'on lui donne, gémit dans son sommeil et tousse du sang. Je ne suis pas certain qu'il sache où il est. Ah bah oui, il a pris quand même 15 ans d'un coup dans la gueule déjà qu'il était vu dans le 1. En même temps, le corbeau, tu lui demandes beaucoup, le gars. Le gars, ça fait 15 ans dans la gueule qu'il a pris, pof, d'un coup dans la gueule. Ah, c'est bon, on est retourné dans le vrai bateau. Je suis à tes côtés, même dans le grand vide. J'aimerais tant pouvoir t'aider. Jessamine, Delilah a gagné en puissance. Suis-je responsable de l'amertume qui ronge Delilah ? Bien sûr que non. C'est elle qui tire toutes les ficelles. Nos décisions ont des conséquences. Je sens que je n'en ai plus pour très longtemps. Oh, mais là, attends, Jessamine. Tu pourrais par contre me dire pour ta sœur, parce qu'apparemment, bon voilà. Bon, on n'en dira pas plus. D'accord, ok. Ah bah j'ai un petit portrait de Sokolov, voilà, qui fait oui, bon écoute, ça va bien m'aider pour dormir, ça. Oui, j'ai une belle vue pour dormir. Ok, ah j'ai un... Merci. Je devrais vous dire ça en face, mais ça m'est difficile. Merci d'avoir ramené Anton. Je ne sais pas si j'aurais pu me résoudre à ne plus le voir s'affairer sur le bateau en marmonnant et en caressant sa barbe grasse. Je voulais le retrouver moi-même, mais maintenant que je sais ce que vous avez dû traverser pour y parvenir, je dois m'avouer impressionné. Bref, profitez bien de cette bouteille tirée de la réserve du capitaine. C'est un grand cru. Je la tiens d'un aristocrate qui cherchait à quitter rapidement Karnaca il y a quelque temps. Vous en aurez besoin pour dormir maintenant que Anton est de retour. Ses ronflements traversent toute la cloison. Ah d'accord, super. En plus il ronfle, gars. J'ai ramené. En fait, attends, il est où le grand cru que tu me parlais là? C'est le petit. Il y a rien dans mon verre. Menteuse. Ah, il est là. D'accord. Pardon. Excuse-moi. De toute façon, hey, je t'avais dit, je ne buvais pas d'alcool. Le mec. Non. Putain, un câble. Ah, des rats. Mais putain, il y a des rats dans le bateau. Eh oh, mais c'est quoi ce bordel? Oh, mais attendez. Un homme de son âge, Sokolov se remet plus vite que je ne l'aurais imaginé. Oui, si, bon, si tu dis, ah bah toujours là, Hypatia, ça va plus mieux. La double personnalité, tout ça. Bon, je vous laisse lire. Hop. Ah, il y a un autre livre là. Voilà. Bon attends, j'ai un petit peu peur. S'il te plaît, ne me fais pas de trucs qui sont chelous, hein. Ah d'accord, mais ils m'ont téléporté. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci d'avoir aidé Anton. Sokolov n'est pas le seul à se rétablir rapidement. Je serai bientôt en état de partir. J'ai énormément de travail. Et le duc va certainement s'évertuer à contrecarrer mes efforts. Sauf s'il est renversé. J'y travaille. Croyez-moi, le duc est au centre de mes préoccupations. T'inquiète pas, il recevra une belle patate dans sa gueule. Leurs défauts, c'est vrai. Quand la paix sera rétablie, quand les instigateurs du coup d'État auront été évincés, ceux qui resteront au pouvoir seront en mesure de changer la donne. Pensez-y, lorsque vous aurez les derniers associés du duc en face de vous. Je ferai de mon mieux, Alexandria. Alexandria! Alexandria. Eh attends, mais t'avais des trucs d'Adémir là, t'avais des solutions bleues la dernière fois, t'en avais toute une caisse, tu les as foutues dans ton cul ou quoi? Et alors quoi? Merde! Putain, mais franchement, c'est pas sympa par contre là, je t'ai sauvé et tout. Oh putain, mais franchement, c'est ingratitude. Elle avait toute une caisse de solutions d'Adémir quoi, pour m'augmenter mon mana quoi. Je voulais que je l'aide à résoudre un problème plutôt complexe. L'objectif est bien posé sur le canapé. La mécanique à moindre coût. Le petit malin. Pas si malin que ça. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez ce genre de personne?
Ils ont l'esprit agité et le cœur sec. Jindosh était prêt à m'éliminer à la minute où je cessais de l'intéresser. Je suis très reconnaissant envers Corvo qui m'a extirpé de ce mauvais pas. Je vous ai cherché, Anton. J'aurais fini par vous retrouver. Je savais que tu essaierais, Megan. C'est ce qui m'a donné envie de survivre lorsqu'on m'a livré à Jindosh. Quoi qu'il en soit, vous êtes tiré d'affaire. C'est une bonne chose. Oui, je l'ai sauvé. On dit merci qui ? Merci Corvo ! Le protecteur royal est levé. Mauvaise nuit ? Vous avez peut-être dormi un peu trop longtemps dans un lit de plumes. Venez vous asseoir, quand vous aurez envie de parler. J'ai fait un cauchemar, il y avait Delilah qui me racontait des conneries comme quoi elle était la vraie sœur de Jessamine. Et Jessamine, c'était une connasse en fait. Du coup, je l'ai pas très bien et j'ai envie de taper quelqu'un. Est-ce que je peux taper? Il faudra peut-être que j'aille me ravitailler en extrait de foie de bœuf et en graines de chardon marron. Bon, ça va, elle parle toute seule, mais elle a pas la voix qui fait peur, du coup, moi ça me va. Du coup, bon, écoutez, on va s'arrêter là parce que ça va faire trop long. Je sais pas du tout combien de temps ça va être parce que, comme je vous ai dit, j'ai traîné avec les énigmes et tout. Ça m'a perturbé, mais il y avait des rats tout à l'heure. Il y a des rats. Bon, bah écoutez, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, c'est Kratos. On se retrouve pour un prochain épisode sur Dishonored. Saloperie. Sur Dishonored 2, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, c'est Kratos. Et on se retrouve pour le prochain épisode où on va essayer d'attaquer aux autres commanditaires du complot contre notre petite impératrice. Oui, elle est pas petite, je sais, elle est grande, mais je veux pas le savoir. Voilà, salut tout le monde et portez-vous bien.